Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de L'ombre de la guerre, la terre du milieu, l'ombre de la guerre. Hop. Bouf. Dans ta face. Ok. Où il est? Aïe, j'ai pas vu venir celui-là. Ils sont nombreux en plus. Et ça c'est tellement gros que j'ai du mal. Hop là. Hop là. Wouh. Bien joué. Hop là. Ah. Hop les, merci pour la santé. Ah 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 ah, j'ai chaud. J'ai toujours été une personne chaude. Aïe. Merci pour ta santé, parce que là j'en ai véritablement besoin. Merci. Viens là. Ta santé m'appartient. Je suis ton médecin. Boum. Repousser les envahisseurs. Hop là, ça c'est fait. Je crois qu'il va falloir que je bute la saloperie qui est au-dessus. Oula, bonjour. Dux le belliciste. Puisque personne d'autre ne t'arrêtera, je vais m'en charger. Écoute, tu es vulnérable à la furtivité, ça m'emmerde. Dégâts pas. Ah bah c'est cool, t'aimes pas les headshots. Par contre, je suis un peu mauvais. Hein. Tiens, bouf! Dans ta face! Hop là! C'est beau ça! Ça c'est du beau combat! Raté! Oh, j'ai appuyé! Ah, je fais tout le tour! J'ai loupé! Felipe! Oh, ça, ça peut être intéressant. Un tir puissant. C'est le bordel dans ce combat. Et boum. Apparemment, il est resté deux glaces. Je la referai pas. Ok, bonjour, c'est toi que je cherche, ça tombe bien. En tant que spectre, toi et moi, on pourrait peut-être... La cité est perdue. Sauvez vos hommes. Repli. La ville est perdue. Quand on voit tout ce qu'il y avait encore comme être... comme humain vivant dans cette... enfin, comme... civil, vous on va dire plutôt. Je n'ai pas vu que des vivants, que des humains. Je l'ai fait pour toi, Idril. Pour que tu survives. Allez, flèche. Le Palantir ne vaut rien.
Je donnerai le Gondor entier pour toi. Et notre peuple? Ou bien notre honneur? D'abord le peuple, hein. On compare pas le peuple à l'honneur. Que faire de l'honneur? C'est con parce que c'est moi qui vais rentrer en premier. Castamir! En duel! Ah non, c'est pas avec toi que je l'aurai le duel apparemment. Allez! Putain, il aime bien la mise en scène, hein. Bonjour! Allez! Putain! Bougez! Ouah, il est pas venu tout seul! Vous allez vous acquitter de votre promesse! Non, non! Je ne crois pas, non! Vous êtes tous venus? Ouah, le palantir qui est activé dans ses mains! Respectez notre marché! Que ma fille soit libre! Libre de mourir. Castamir, non ! Elle est libre de mourir avec son peuple. Bon, ça c'était mérité, hein, faut le dire, hein. Le pire c'est que ce qu'il a tué, c'est peut-être même pas le coup de masse. C'est tout simplement, voilà, c'est les marches. Dommage que tu ressembles à un Sim, quoi. Désolé, hein. Allez, mais bouge-toi, tue! Elle peut rien faire, mais... Partez. Vite. Allez! Putain, mais qu'est-ce qu'elle a que pas. Il y a 4 lettres dans vite! Ok. Bon. Bonjour. Moi, c'est à Lyon. Spectre, à moitié. Comment dire? Ça fait 3 mois que je ne me suis pas confessé. Et 8 jours que j'ai pas bu de bière. Bon, les autres alcools, par contre. À tous. Waouh! 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 Si je peux! Et oui, c'est bien lui! C'est l'ami Bob! Il répond présent! Il s'appelle Bob! Ah! Ah! Tu dois m'accepter ton défi. Jamais! Ah la vache! Ah, j'ai pas le droit de leur piquer leur santé! Ils me font tellement mal! Tu appartiendras au roi sorcier, il l'ordonne! Ils me font tellement mal! Comment suis-je censé les battre? Tu ne résisteras pas à l'appel. Aïe. Meurs. Ah. Oh putain. Aucun homme ne peut lutter contre la volonté du roi sorcier. Haha. Aha! Viens des! Ah, j'ai récupéré une flèche! Aïe. La puissance du roi sorcier est sans pareil. Putain, ils sont tendus du slip, hein! Tiens, bouffe! Chasse l'elfe spectral! Ah! Non. Je m'y oppose. Viens de mon côté. Ou disparais à jamais. Retourne
reine dans les ténèbres. Ah, c'est pas mal non plus. Bouf. Ok, y a pas de raison d'avoir peur. En vrai, ils sont plutôt faibles. Tu es à moi! Non? Je te bannis, c'est stylé aussi, cela dit. À quel tour? Tu serviras le roi sorcier. Tu es à moi aussi. On sent très très bien, on sent très très bien. Souffre-moi! Le dernier. Une fois qu'il est brisé, je le prends avec le... Tu obéiras au roi sorcier. Je le prends avec le... comment... le l'ultime, vous savez. Retourne auprès de ton maître. Disparais, sale bête de... Ça y est. Ah, c'était pas plus magique que ça, je pensais que ce serait plus magique que ça, mais non, dommage. Ok, bon bah finalement ils étaient pas si complexes. Surprenant en fait, et c'est bien des ennemis comme ça. Il faut un anneau pour combattre un anneau. Voilà, c'est bien ce que je dis. Soumets-toi à ton destin. On n'est pas dans Destiny, tu te trompes de jeu. Me touche pas. Oh, tu pues. Oh, tu pues. Oh, les yeux. Non, Idril, c'est une... Non, c'est pas Idril, c'est une elfe. C'est une elfe. Debout, rôdeur. C'est une elfe. Bonjour, madame. Vous vous battez très bien. Elle a même le style, hein, de combat. Joli. Joli. Et moi, je vais faire quoi? Je vais la regarder? Ok. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est. Elle a un anneau. J'ai cru voir un anneau. N'aurait pas aujourd'hui. Ah oui, comme ça je vais réapparaître sur la tour. Elle a guaqué le jeu. Elle connaît les règles du jeu. Ça par contre il me le faut. C'est soit ça, soit mon anneau. Hein. Ça y est. Siji Mina Sithil. Sous les fondations de Minas Morgul. Seigneur, j'ai pris le Palantir et nous avons localisé le nouvel anneau. Il est aux mains de l'araignée. Ça pue. Vous avez fait du bon travail. Minas Morgul. Voilà. Est à vous. Je l'ai dit. Maintenant, apportez-moi l'anneau de Celebrimbor et que fait-on d'Arachnée? Envoyez les Nazgûl, tous les Nazgûl. Ok. Voici donc la fameuse Minas Morgul. Voilà ce que je voulais pas vous spoiler depuis le début. Et bah je suis content, ça s'est bien fait. Ça s'est même très bien fait. Vous pouvez nommer vos capitaines gardes du corps de vos chefs de guerre en leur donnant l'ordre dans le menu armé. Ça on n'y est pas encore. Hein. Bon je sais que j'avance pas vite mais quand même, à ce point là. Le menu annexe contient de nombreuses informations concernant entre autres le savoir et autres visions. Les ordres de réaffectation vous permettent de déplacer vos alliés, j'imagine. J'ai pas le temps de voir la suite.
Bonjour. Ta capuche ne cache pas tes oreilles. Merci pour l'homicide. C'était dans vrai. Vous m'avez tué. Mais vous vivez. Qu'est-ce que ça fait, mourir et revivre? Ça fait mal? Vous souffrez? Ça essouffle. Et la cité. Et le Palantir. Les Nazgûl ont pris les deux. Le Seigneur des Ténèbres les détient. C'était un gros échec. J'ai donc échoué. Ah oui. Vous et propre. Encore vous battre? Elle a la lumière de Galadriel. Ouh, d'accord. Nous pouvons reprendre l'anneau. Vos anneaux ont provoqué ceci, Seigneur Elf. Le mec, il était sur le point de lui piquer la lumière, et en fait, non. Êtes-vous la lame de Galadriel. Ooh. Depuis quand Galadriel emploie-t-elle des assassins? Les grandes menaces forgent des alliances improbables. Vous le savez mieux que personne. Parlez-moi donc de cet anneau. Nous l'avons créé pour vaincre Sauron. Mais l'araignée, Arachné, le détient. Oui, parce que t'as bien voulu. Son pouvoir va attirer les Nazgûl. Il n'est pas question que Sauron s'en empare. La lumière de Galadriel, donnez-la nous. Pas si vite. Ma lumière... Mon précieux, oui. Il faut nous hâter. Il y a une pneumonie, Talion, hein. J'aime bien, oui, l'épée paraissait 10 fois trop grande pour ses doigts. Ah bah non, tu peux pas. Et le pire, c'est que chaque scène nous montre qu'on ne peut pas faire ce qu'il fait. Venez, rôdeur. Ok, suivez le Tariel jusqu'à l'antre d'Arachné. C'est parti. Putain, cours vite. Ouh. Mais moi je me dépêche, hein, y'a pas de soucis, hein. On ignore combien de Nazgûl le roi sorcier a envoyé. Ils ne doivent pas prendre mon anneau. Les Nazgûl sont-ils capables de vaincre Arachné? Ensemble, ils ont une puissance redoutable. J'ai plus de tir d'elfe. Cool. Arachné a le pouvoir du nouvel anneau. Eltariel, par contre, t'en chies, hein. Oh, elle est quand même pas à l'arrêt. Même l'engeance d'Arachné craint les Nazgûl. Allez, mais mène-toi. Mais je t'attends, moi. Inutile de me le rappeler, mais aussi puissants qu'ils soient, les Nazgûl ont leur propre anneau. Il faut faire vite. Ça fait une demi-heure que je l'attends. Oh, des fleurs. Des flèches. Je vais t'offrir des flèches. Mangerai bien une bonne grosse patate dans ta face. Et elle nous protège. Eh oh, monte. Mais c'est à moi de la manier. Wouhou, moi aussi je peux courir vite. Allez, accélère. Wouhou. Venez, ne vous arrêtez pas. Oh, d'accord, en fait elle a un cercle de... Elle a une zone de commande follow qui doit être de la taille d'une... Tenez-vous prêts et ne vous éloignez pas trop. Petite vengeance pour les arachnophobes. J'espère que vous aurez apprécié. Ok, bon, à quel point ça pue du cul cette histoire. Ils sont passés où, mais 60 FPS d'un seul coup là. Ah ah. Oh. Ouf. Question. Il est où l'anneau? Tout du bon soit grâce. D'accord, le Seigneur. Le Seigneur des Ténèbres aura ce qu'il désire. Fallait que je le fasse avec une bonne voix, hein. Bonjour! Le mec il attaque en scred et... Ouah! C'est des... Ouh! C'est ce que j'appelle une lampe torche.
avec des piles Duracell. Pour une plus grande durée de vie. Oh, c'est pas la forme. Oula, le plan de caméra qui sauve ton entrecuisse. Oula, qu'est-ce que tu fous? Ok. 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 Tu me le rends? C'est vrai? Quoi? Comme ça? Il faut faire des sacrifices. Oh putain. Pourquoi maintenant? Prends l'anneau. Il a toutes les raisons de lui en vouloir. Avec l'anneau, il aurait pu sauver Mina City, là. Crée ton armée. Ton destin deviendra clair. Deviendra clair. Ah, je suis en train de te perdre. T'es plus très clair non plus, toi, par contre. Allô? Allô? T'as plus de réseau? Tineris? Non? Bon, bah, tant pis. Oh, symbole phallique! Le Nazgûl a fui. Je t'ai pas été méga utile, faut dire. Il faut détruire l'anneau. Il nous appartient. La légende dit vrai, Celebrimbor. Cet anneau est différent. C'est rigolo, vous avez vu quand Celebrimbor a parlé, Talion, le corps de Talion a bougé. C'en est à ce point-là. Je détruis tous les hommes que ces anneaux corrompent. Ainsi ne donc. Devenez pas l'un de ces hommes. Quand l'heure viendra, je ferai le nécessaire. Après, la corruption vient d'Anatar, hein. Enfin, de Sauron. Peut-être. Partez vite le plus loin d'ici. Les Nazgûl reviendront. Tu peux enlever ta capuche? Comme toujours. Papuche? Ma Kalana papuche. Nos routes se recroiseront. Non? Dommage. Moi, j'aime bien quand Talion, il met une capuche. Il y avait une skin sur le premier où Talion avec une capuche, avait une capuche, pardon. Et c'était tellement stylé. Honnêtement. Enfin bon. Nouvelle région déverrouillée. Oh, ça a l'air joli. Ça a l'air très mignon, tout ça. Il arrive que deux ennemis vous frappent au même moment. Tellement de timing. Appuyez deux fois sur Y pour contrer les deux attaques en même temps. Tout simplement. Si 8 millions d'ennemis vous attaquent en même temps. Si vous recevez 42 flèches en même temps. Oui, c'est on s'en fout. Appuyez 42 fois sur Y. Et vous renverrez toutes les flèches à leur propriétaire. Avec seulement deux bras. D'accord, ok. Une petite forêt, une ville, un rivage, un hameau, on pourrait presque appeler ça un hameau. C'est sympa. Bah, qu'est-ce qui... Blacky tous. La pneumonie, hein, je vous dis. Tu entends comme moi. C'est la forêt de Carnan. Inutile de t'en soucier. Talion. Nous devons bâtir une armée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette forêt? Là. Ce campement est plein de guerriers. Nos guerriers. Oui! Si Lennon a le pagne, moi je dirais le plaid. Et puis c'est pas grave. C'est beaucoup moins stylé, mais c'est beaucoup plus réaliste. Faut vraiment que je fasse une session avec le plaid sur les épaules. Vous verrez à quel point il y ressemble. Ascension au pouvoir. Chapitre 2. Acte 2. Acte 2. Oh. Alors ça c'est un bruit qui est extrêmement rare je trouve, dans les forêts dans lesquelles je vais. C'est le craquement des arbres sous le vent. Et pourtant c'est un bruit que je trouve extrêmement calme, extrêmement reposant. Utilisez le nouvel anneau pour bâtir votre armée en dominant des orques. Maintenez RT pour passer en mode furtif et appuyez sur B pour dominer furtivement la cible.
Hors du mode furtif, maintenez B pour dominer un orc. Toutes les compétences de drainage permettent désormais de dominer la cible comme interroger, comme l'interrogation d'un verre, pardon. Hop, un instant. Nous, on se laisse là pour cet épisode, merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures. Un petit like, un abo et un partage si vous pouvez, si vous avez le temps. Voilà, salut les gens.